Apparemment, depuis le décès de DJ Arafat, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore remise de cette histoire. C'est scandale sur scandale. Oui, on est habitué avec les buzz en Côte d'Ivoire, mais en ce qui concerne DJ Arafat, franchement, ça ne manque pas. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, je vous invite nombreux à vous installer. Prenez vos verres de cocktail marmaillé, un peu de l'écalaconque, un peu de l'ipé, un peu de l'idam. Mais faites-moi ce mélange parce que vous aurez besoin d'une gorgée de temps en temps. Ce que je vais vous partager là maintenant, tout dépend de comment est-ce que vous allez le prendre. Hein. Mais je vous conseille d'être assis en suivant ce contenu. Alors, on va parler de Tina Glamour, la maman de DJ Arafat, qui a pété un câble dernièrement sur la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, à cause de ses nombreuses apparitions médiatiques. Il faudrait dire que les sentiments sont très divisés par rapport au comportement de maman Tina Glamour et Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, bien entendu. Avant même d'entrer dans le vif de mon sujet, je tenais à dire à tous les Congolais vivant à Kinshasa que le prince Dadju est à Kinshasa en RDC plus précisément. Il a un très grand événement ce 11 septembre 2021, okay, au Shark Club. Les portes seront ouvertes à 13h. Je vous conseille d'arriver à 11h. Oui, c'est vrai, le pass est à 20 $ et 25 $. Je pense qu'en pré-vente, c'est 20 $ et le jour J, ça sera à 25 $. Mais les billets sont en train de s'épuiser comme vous n'avez pas idée. Vous savez que le Shark Club est grand, mais quand c'est Dadju qui joue là-dedans, ça devient plein à craquer au point où on a peur que les murs tombent. Alors, s'il vous plaît, je vous avais dit que la reine de la maman sera de la partie. Demeure officielle sera là pour, n'est-ce pas, prendre les images et bien faire le Congo. Ça, parce que mon Amboka est là. Il est au bled. Il est dans. J'ai dit, Dadju est congolais de père et de mère. Si, si. La lionne est congolaise. Et Dadju Nadia Nana, tout le monde connaît. Alors, payez déjà vos billets parce que cet événement, ça sera une histoire de ouf. On va chanter. Moi, si à Congo, naïe bio moni passi. Laisse-moi te soulager. On va chanter. Akou, akou, akou. Nanana, nanana. Akou, akou, akou. Elle me dit de faire dormir bébé. Bon bébé, voilà, on va chanter ça. Alors venez nombreux, 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 ne manquez surtout pas ce grand événement. Alors, pendant que la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une très grande cérémonie très réputée où Yves Dembella même devait être animateur principal, n'est-ce pas? C'était le concours comme ça de Miss Côte d'Ivoire, hein, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Apparemment, celle qui a été élue Miss, c'était une décision même que le public a validée. C'est la personne qu'il fallait à la place qu'il fallait. Une très belle femme, n'est-ce pas? Très élégante, charismatique et surtout très intelligente. Elle dégage cette chose-là. Elle a la carrure, elle a la forme. Elle a tout pour plaire, quoi. C'est vrai que j'ai jamais compris la logique entre être intelligent, avoir des bons projets et puis se pavaner en caleçon pour dire « je fais mise de beauté ». Si c'est pour défendre des causes qui ont de la valeur, pourquoi on est obligé d'être en bikini? J'ai jamais compris la logique en ce qui concerne les Miss, mais quand même, je comprends le choix des jurys. Franchement, c'est la Miss que la Côte d'Ivoire mérite, n'est-ce pas? C'est vraiment d'elle dont la Côte d'Ivoire avait besoin, surtout son côté intellect. Elle m'a vraiment épatée et le charisme, l'élégance, la carrière, tout ça, ça vient après, n'est-ce pas? Elle s'appelle Yacé Olivia, ok? Elle serait la fille du maire de Cocody. Si elle n'avait pas toutes ces qualités, les gens auraient cru plutôt, je voulais dire, que voilà, c'est parce que son père est maire. Mais là, maintenant, tout le monde est d'accord avec ce choix. On dit que voilà, c'était la personne qu'il fallait et moi, je le confirme d'ailleurs. Félicitations à la Miss Côte d'Ivoire 2021, Yacé Olivia, n'est-ce pas? Il y a Kenza qui est deuxième dauphine et il y a une autre demoiselle qui est première dauphine. Donc bref, c'était le bon choix. Alors pendant que la Côte d'Ivoire est en train de sortir de ce merveilleux concours de Miss Côte d'Ivoire, on revient encore sur l'affaire Carmen Sama, Tina Glamour. Comme je le disais tout à l'heure, maman Tina Glamour était à l'hôpital, ok, avec sa fille bébé Carla qui est souffrante, n'est-ce pas? Maman Tina Glamour a lancé un coup de gueule. Elle a carrément pété un câble sur Carmen Sama, lui réprochant pas mal des choses avec des propos très déplacés
envers Carmen et surtout envers sa famille aussi. Elle a parlé de l'éducation et de tout ce qui va avec, la façon dont Carmen s'habillait, se pavanait. Mais ce qu'elle avait sorti de sa bouche était tellement, tellement fort que il y avait une partie que j'avais coupée, je vous avais posté juste l'autre partie, ok? Elle a vraiment reproché pas mal de choses à Carmen. Elle a carrément insulté la fille et lapidé ses parents. Elle a traité de tout sauf rien. Elle n'a pas été, en tout cas, épargnée sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des gens qui, tous les jours, se plaignent du comportement de Carmen Sama, son attitude, sa façon de s'habiller sur la toile, qui choquent le monde entier, ok? Il y a des gens qui ne sont pas très d'accord avec le fait qu'elle s'expose autant. Mais après, il y a de ceux qui disent, bon, elle est jeune, elle a le droit de vivre sa vie comme elle le veut, comme elle l'entend. Mais chez certaines personnes, ça passe pas. D'ailleurs, dans la liste des personnes qui ont lapidé Maman Tina Glamour en lui disant, mais tu peux pas parler comme ça de ses parents, et tu peux pas parler comme ça de cette femme, parce qu'elle a même épinglé quelque chose d'important que, selon elle, DJ Arafat est mort célibataire, ok? Il avait juste fait un enfant avec Carmen Sama. Du coup, cette histoire de « on l'avait doté », elle n'y croit pas trop, elle n'est pas trop dans ça. Pour elle, son fils était décédé célibataire. C'est ce qui a encore plus choqué le monde entier. Parce que rappelez-vous que lorsque DJ Arafat était décédé, quand même, il y a eu des moments de froideur entre Tina Glamour et Carmen Sama. Elles se sont pas mal prise la tête, et d'ailleurs ça datait même de longtemps, depuis le vivant même d'Arafat, ok? Alors, il y a eu tout ça, et elle avait dit ces choses, les gens lui ont lapidé sur la toile, et il y a le général Tamim Akoso hein, qui s'est permis de lapider Tina Glamour, de lui remettre carrément à sa place, et de dire d'ailleurs que pour lui, voilà, il a dit pas mal des choses quand même, je vous conseille de suivre ce live-là, mais il a aussi dit que, d'ailleurs, faut féliciter Carmen qui arrive à se démarquer dans la liste des blogueuses ou des influenceuses, en fait, je voulais dire, très influentes, très populaires, qui ont commencé depuis longtemps, là où il y a les Emma Loez, il y a toutes ces personnes, et elle arrive à s'imposer, à se faire un nom en un rien de temps, donc quand même, c'est une femme battante, courageuse, et nanani, nanana. Vous savez, le gars, il est un peu marmaillé la chose en faveur de Carmen Sama. Après, ça ne nous étonne pas, c'est sa petite. Apparemment, il a des très bonnes relations avec la fille. Donc, c'est tout à fait normal qu'il prenne sa défense. Après aussi, rappelons que Tina Glamour est très souvent dans l'abus. Hein. Il y avait le 50-50 dans sa réaction. Okay? Après, tout ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, Tina Glamour ne s'est pas prononcée sur le sujet parce que de toute façon, on avait compris, elle avait un enfant malade à l'hôpital. Quand on a déploré le fait qu'elle faisait même parler l'enfant, elle faisait participer l'enfant sur cette vidéo pendant que l'enfant n'était pas en état de simuler ce genre de choses. Bref, alors je vais vous lire comme ça la réaction de Tina Glamour par rapport à tout ceci et je vous dis ce que j'en pense. Maman Tina Glamour réagit et dit ceci. Le fait d'avoir perdu mon fils est devenu un sujet de raillerie et de moquerie à mon encontre sur la toile. Après tout, dépend de comment est-ce que tu te comportes, maman. Poursuivons. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu actuellement avec la perte de mon fils. Merci à toutes ces personnes qui profèrent des injures à mon endroit sur la toile. Merci à toutes ces personnes qui ne m'ont pas comprise. Mes vidéos étaient juste pour exprimer un ras-le-bol. Je me suis sentie blessée de l'absence de Carmen et de ma petite fille à mes côtés lors de la commémoration des 2 ans de décès de mon fils Arafat. Sinon, loin de moi l'idée de vouloir hypothéquer la vie de Carmen. Contrairement à moi, c'est une petite fille. Personne coléreuse que je suis, j'ai mêlé la famille de Carmen Yao à mes sorties sur la toile. Avec du recul, je pense que je n'aurais pas dû. Aujourd'hui, dimanche, jour saint, je présente mes excuses à la famille de Carmen et à Carmen elle-même en promettant que cela ne se répétera plus. Carmen est libre de mener sa vie comme elle l'entend. C'est une grande fille et puis elle n'était pas officiellement l'épouse de mon fils encore. Arafat est mort célibataire, mais qu'elle n'oublie pas que celui qui l'a rendue mère, c'est mon enfant. Celui grâce à qui elle a connu la joie de vivre dans un foyer. C'est mon dauphin fils. J'attends ça et là que je ne verrai plus ma petite fille Rafna. Le sang ne se perd pas. Étant la mère au père de Rafna, je représente beaucoup pour elle et vice-versa. Je remercie le général Makosso pour les injures et la méchanceté qu'il a proférées à mon sujet dans sa vidéo. Je lui dis merci et que Dieu le bénisse. S'il pense qu'il est Dieu pour juger, cela n'engage que lui. Je ne me suis jamais ingérée dans ces histoires de famille. J'estime
que quand on se dit homme de Dieu, on se doit d'être habité par la sagesse. Un homme de Dieu doit être aussi habité par la justice. Voilà un peu, c'est vrai que ma lecture elle est un peu bancale, comme j'ai l'habitude de le dire, mais quand même vous avez compris en quelques mots ce que a dit maman Tina. Hein. Elle a présenté des excuses à la famille de Carmen Sama après qu'elle ait raconté tout ce qu'elle a raconté sur la toile. Elle dit que pour elle, c'était un ras-le-bol à cause de tout ce qu'elle voit sur la toile probablement, mais également parce que Rafna et sa mère n'étaient pas à côté d'elle pendant la commémoration de l'an 2 de DJ Arafat. Donc, elle s'est sentie mal et tout ça, elle aurait voulu être avec eux, quoi. Donc, enfin, qu'ils puissent être ensemble et tout, il y a toutes ces choses, mais elle a rappelé encore une fois que pour elle, DJ Arafat est décédé célibataire, mais que Carmen ne puisse pas oublier que c'est grâce à Arafat qu'elle a connu la joie de vivre dans un foyer. Ok, d'accord. Tu veux qu'elle se dise qu'elle n'a jamais été mariée à Arafat, ok, qu'elle est célibataire parce que ton fils est décédé célibataire, mais tu veux qu'elle se souvienne du fait que si elle a connu la joie d'un foyer, c'est grâce à Arafat. Quand même, Mamatina, à un moment donné, choisis ce que tu veux. Soit tu respectes leur vie de couple sans pour autant épingler le fait qu'ils n'ont pas été mariés comme toi tu l'aurais souhaité. Soit n'épingle pas alors dans ce cas-là le mot foyer dans une relation qui n'a pas été mariage, que tu ne respectes pas comme deux personnes, comme s'ils avaient une relation aussi forte que ça. Quand tu parles de la relation de Carmen et Arafat, on a l'impression que tu banalises. Mais après, tu attends à ce que Carmen puisse avoir des réactions comme quelqu'un qui avait vraiment pris en compte cette relation que toi-même tu banalises à un moment donné. Ça pète un peu dans la tête, on ne comprend pas. Après, c'est maman Tina. Elle dit que voilà, ce qui lui choque, c'est que Carmen et l'enfant et tout n'ont pas été là à côté d'elle pendant l'an 2. Bon, elle a voulu juste trouver une explication pour justifier, au fait, sa réaction sur la toile. Hein. À un moment donné, qu'on se dise les choses. Carmen a le droit d'organiser aussi sa commémoration comme elle le sent avec son enfant par rapport à leur petite famille qu'ils avaient, elle, Rafna et Arafat. Donc ça va pas forcément aller dans le sens de Tina. Peut-être l'an 1 si vous avez fait les choses ensemble, si l'an 2 vous faites ensemble, c'est pas grave, mais il y avait l'autre frère de Rafna qui était avec quand ils sont allés déposer des trucs. Et puis tout ce que la Eurogang a fait et la Chine, vous n'étiez pas obligés d'être tous aussi ensemble. Enfin, il y a des moments où vous pouvez être ensemble. Après, chacun aussi peut décider de commémorer, se rappeler d'Arafat comme il veut. Tu pouvais aussi organiser cette journée-là. Tu pars avec bébé Carla, vous allez vous recueillir. Après, vous rentrez, tu t'assois avec bébé Carla, vous discutez un peu. Cet enfant-là a besoin de beaucoup d'attention de sa mère, beaucoup d'amour de sa mère, au lieu que Tina vienne se pavaner, raconter n'importe quoi sur la toile. Le fait qu'à un moment donné, je pense que quand tu perds un enfant comme Arafat, il ne te reste que bébé Carla. Tu concentres toute ton énergie, ton amour sur cette fille qui est tout le temps malade et qui est tout le temps dans des problèmes. Je pense que tu as encore quelqu'un à protéger, prendre soin d'elle. Elle doit récupérer sa santé, récupérer sa vie et voilà, qui sait ce qu'elle deviendra encore demain. Elle a une longue vie devant elle. Toi, tu es tout le temps là constamment sur quelqu'un qui est déjà mort. Accorde un peu d'attention. Tu as quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital dans un état critique. Tu viens de pavaner à crier sur Carmen Sama qui pose que quand sa fille est peut-être en sécurité, qui est au bon endroit et tout ça. Je ne vois pas une Carmen Sama se pavaner avec ses petites tenues sur la toile pendant que Rafna est malade. Occupe-toi de Carla. Concentre-toi sur ça. Hein? Il est temps que les choses puissent être comprises de cette manière-là. Bon, après, Marcoso a toujours dit des choses où il pète un peu, à un moment donné qu'on se dise des vérités. Oui, Carmen Sama avec ses tenues et tout ça, moi aussi je trouve ça mais juste too much, exagéré, pour rien. Je me demande comment est-ce qu'elle se retrouve dans ces conditions, à se pavaner comme ça. J'estime qu'elle n'a pas besoin de s'afficher de cette manière. Elle a déjà un très bon corps, elle pouvait s'habiller aussi décemment sans pour autant attirer autant des regards sur elle. Après, si c'est ce qu'elle veut, si c'est encore, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. On aurait souhaité qu'elle puisse être peut-être la même personne très active sur la toile, mais un peu plus décente. Je pense que ça aussi, ça choque Tina. Mais après, je ne comprendrais pas quand ça choque Tina parce que on a une vidéo où, par exemple, on la voit avec Carmen Sama, où on voit elle-même Tina soulever son habit, on voit carrément bientôt ses fesses et tout ça. Donc, au fait, elle ne peut même pas faire ce genre de remarque à Carmen, mais juste respecte cette femme à cause de ce qu'elle a été avec son fils. Mais je pense que un jour vous disputez, après deux jours après vous arrangez et tout ça.
À un moment donné, il faudrait trouver l'équilibre entre ce que tu fais et ce que tu fais pas. Elle est libre maintenant. Tu peux pas avoir un œil sur quelqu'un que toi-même tu considères même pas comme une épouse à ton fils, au fait. Après, ton fils est décédé, ça fait 2 ans, elle a le droit de refaire sa vie. Jusque-là, elle s'est pas encore remariée, encore respect. Parce qu'elle pouvait même déjà se remarier, elle pouvait déjà être dans autre chose. Donc, laissez-la vivre sa vie, au fait. D'ailleurs, Carmen a posté une photo où il y avait, on a ouvert la bague de le truc. Boîte à bagues de mariage, enfin le coffret là où on met les bagues de mariage et tout. On a ouvert la boîte et puis on a écrit à l'intérieur fuck you et tout ça. On ne sait pas si elle a répondu à Tina Glamour, mais ça ne sera pas intéressant au fait que tu puisses avoir des clashs avec la veuve de ton fils, que tu le veuilles ou non. C'est avec elle que DJ Arafat était jusqu'à sa mort. Ça, tu ne pourras jamais changer ça. Et puis Tina, du vivant d'Arafat, vous avez eu beaucoup de problèmes et beaucoup de conflits. Votre réconciliation même s'était médiatisée dans le sens où tout le monde savait que vous n'entendiez pas, tout le monde voulait dans l'immédiat que vous puissiez vous réconcilier. Tout le monde connaissait les problèmes que vous avez. Ne fais pas comme si ton fils a toujours aimé tout ce que tu faisais. Je ne pense pas que c'est les propos que tu as tenus si Didier Arafat était en vie, il allait tolérer que tu dises des choses comme ça sur sa femme. Au fait, marié ou pas. Déjà des choses que tu ne pouvais pas te permettre du vivant d'Arafat, ne fais pas ça derrière sa mort, au fait. Ne fais pas ça après sa mort. Respecte Carmen. Tu ne sais même pas ce qu'ils étaient vraiment en intimité. Tu lui parles bien, en fait. Après, quand même aussi, tu dois savoir que oui, c'est vrai, Tina est ce qu'elle est. Mais comprends aussi les remarques que les autres te font par rapport à ta tenue, par rapport à toutes ces choses, au fait. On applaudit toujours tout, mais deux fois, c'est vrai, il faut trouver le juste milieu. On dit que là où ta limite s'arrête pour les autres, ça commence aussi. Prête aussi oreille à ce que les autres. Enfin, bref, je pense que dans cette famille, il faudrait que chacun sache, j'occupe quelle place. J'ai quelle position et comment je fais pour ne pas léser l'autre? C'est ça. Quand on a des oncles qui s'ingèrent, fait des oncles de la toile, des réseaux sociaux, des oncles internautes qui s'ingèrent et tout ça, quand on a les marques ou ceux qui maman et l'affaire, ça ne gère pas toujours tout, mais quand même, il faudrait trouver le juste milieu, au fait. Aujourd'hui, elle vient, elle parle sagement, calmement, mais elle a déjà brisé des cœurs. Et c'est ça le problème avec Tina. Elle vient, elle marmaille, elle part en vrille. Et c'est pour présenter des excuses après. Comme il y a certains commentaires où je vois certains Ivoiriens disent « Oui, maman Tina, c'est bon, on a compris. Toi, t'es toujours ça, tu viens faire n'importe quoi. Et puis, c'est pour parler après, on est fatigué avec ton affaire. » Les gens ne peuvent pas en avoir marre de toi à ce point. Dernièrement, c'était oh, il y a des gens qui ont pris les baskets de ton fils, tu suis tout à la lettre. Je sais pas si même la dernière couillère, t'as dit Didier Arafat t'avais utilisé si on t'avait aimé ça ou pas. Tu dois savoir que ton fils était une personne publique, donc il y a des choses où tu laisses. Il avait des amis, il avait une vie, t'appartenait plus à toi. Les périodes où vous ne vous parlez plus, tu sais pas s'il a tissé de relation avec. Enfin, c'est maman Tina, quoi. Le général Camille Marcosso qui balance sur la toile, Carmen Sama. Tel que tu es là, tu dois faire attention parce que tes fréquentations, toutes ces personnes ne t'aiment pas, d'autres t'envient, tu risquerais d'être empoisonné pour rien, et nanani, et nanana. Il n'a pas tort, mais il aurait dû faire ça en privé parce que ces personnes-là ne vont pas se sentir bien de voir qu'on fait ce genre de révélations sur eux. Parce que quand elle va peut-être devenir un peu méfiante envers ces personnes, ces gens-là comprendront peut-être parce que tu lui as fait des remarques, tu lui as dit des choses en public. À part si ce n'est pas pour le buzz. Mais c'est le genre de conseil en tant qu'homme de Dieu que tu peux faire en privé, parce que de toute façon, c'est Marcosso. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est sa gamme. Il est comme ça, le gars. Donc, voilà un peu ce qui se passe pendant qu'en Guinée, il y a coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a Tina Glamour qui présente des excuses à Carmen Saba. Après, est-ce que c'est vrai que Carmen a dit que, voilà. Tina va plus voir l'enfant et tout ça. Bon, peut-être ça peut l'énerver parce que, ouf, je vous jure, je vous avais pas tout mis. Parce que si vous entendez comment Tina l'avait monté en l'air, je vous jure, vous n'allez pas aimer du tout, du tout. Mais si c'est ça la décision de karma, fais bas la terre, tu connais la vieille mère, elle est comme ça. C'est là, j'ai là trop de problèmes et tout, il y a beaucoup de soucis. On ne sait pas vraiment ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux. On juge rapidement leur réaction. Voilà pourquoi, voilà. Toi, t'aimais Arafat, tu as fait des choses avec Arafat, sois fier de ça et fous-toi, enfin, en tout cas, éperdument de ce que Tina peut dire, parce que de toute façon, si de son vivant, elle ne t'a pas apprécié, c'est pas après sa mort qu'elle va t'apprécier, au fait, au nom de quoi?
Et même si c'était le cas et t'apprécies après la mort d'Arafat, c'est aussi bien, tu prends seulement ce que la vie te donne et puis reste pas sur ça. Mais laisse Rafna voir sa grand-mère, peut-être que ça va l'apaiser un peu. Elle est déjà dans beaucoup de problèmes, Arafat était quand même là et tout, mais il y a bébé Karla qui est tout le temps dans la merde, dans les embrouilles, dans les problèmes. Je sais pas si Tina avait pris Bombay ou pas. On est étonné, on est étonné. Donc, au fait, Tina Glamour veut à tout prix qu'on la comprenne, qu'on se mette à sa place. Elle veut tout le temps se faire passer pour la victime ou pour celle qui a reçu le plus de blessures possible et tout ça. Donc, elle a le droit aussi de péter un câble, de se libérer de toute cette pression qu'elle a parce qu'elle a perdu un être cher, elle est devenue sensible du coup et tout. Voilà, on doit être là pour elle, on doit comprendre ses faits et gestes, même quand ça brise, ça choque le cœur des autres et tout ça. Donc, on doit toujours être là pour dire oui, comprenons, elle a eu cette réaction-là parce que, au fait, elle a quand même perdu son enfant, c'est pas quelque chose de vrai. En fait, à quel moment elle, Tina Glamour, se met à la place des autres? C'est la question qu'on se pose. Elle n'est pas la seule à être, au fait, secouée par la situation. Elle n'est pas la seule à être brisée par ça. Il y a des fans de DJ Arafat qui sont brisés par ça. Il y a sa maison de production, son label qui est brisé par ça. Il y a sa, la femme avec qui il a passé sa vie. C'est les derniers moments de sa vie. Il y a sa fille qui va jamais le voir qui est brisée par ça. Au fait, il y a pas mal de personnes qui ont peut-être plus mal qu'elle, peut-être moins mal qu'elle, mais qui sont aussi brisées. En fait, on ne sait même pas définir le taux et comment est-ce que certains sont plus blessés que les autres dans cette histoire. Non, mais Tina doit savoir qu'elle n'est pas la seule personne brisée dans cette histoire alors qu'elle arrête de se faire passer pour la victime ou pour celle qui a reçu le plus de choc. Il y a les autres aussi, ça c'est égoïste juste. En fait, elle n'est pas la seule à avoir perdu quelqu'un. Il faut rappeler que Arafat était une personne publique, il appartenait à tout le monde. Donc Tina Glamour doit arrêter ça. Elle doit arrêter ça. Elle ne porte pas elle seule le deuil d'Arafat, au fait, et les autres. Donc, bref, voilà un peu ce qui se passe dans l'ensemble en Côte d'Ivoire. On espère, on prie tous que Carmen Sama ne prenne jamais la décision, en tout cas, d'empêcher Tina Glamour de voir sa petite fille. Parce que si elle s'aime et qu'elle veut sa paix, sa tranquillité, si elle veut respirer, pouvoir manger, que ça traverse sa gorge, et que même ses parents, ses ancêtres puissent vivre en paix et ne pas avoir affaire à Tina Glamour et ne pas entendre Tina Glamour tous les jours, et que les gens puissent leur dire encore, vous aussi, vous prenez ça jusqu'à là-bas et tout, fallait lui laisser voir sa petite fille et tout, ça sera des problèmes éternels. Parce que Tina lâche pas affaire. Tina lâche pas affaire. Basket d'Arafat, elle cherche. Couillère d'Arafat, elle cherche. Assiette d'Arafat, elle cherche. C'est son fils, c'est son fils. C'est pas petite fille qu'elle va lâcher. Hein. Même s'il n'aura pas de bonbons à donner à Rafna, mais elle voudra voir sa petite fille. Et les liens de sang ne se brisent pas aussi facilement. Donc, s'il te plaît, Carmen, je touche ma tête comme les Nigériens ou les mêmes vous faites. Et j'ai dit Yako, faut laisser la vieille mère. Parce qu'on sait que tu es dans tes droits. Aujourd'hui, tu peux décider que, comme l'a dit ma cousine, hein, que Tina puisse plus voir sa petite fille. On sait que tu as ce droit-là. Tu es son seul parent vivant. Son seul tuteur direct. Il n'y a pas Tina derrière. S'il te plaît, bats la terre, prends pas la décision que la famille de Carmen aussi comprenne. La vieille mère, tout le monde la connaît. Donc voilà, et on espère que Tina va plus prendre soin de bébé Carla, se concentrer sur elle que de continuer de venir se pavaner sur les réseaux sociaux à chercher des problèmes à tout va. Et les Ivoiriens, s'il vous plaît, démontrez un peu d'amour à la vieille mère et puis conseillez un peu Carmen aussi qu'elle fasse un peu tout doucement, ça va aller. Donc voilà, bref, un peu ma communauté, voilà ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, quand je suis à fond sur eux, dans leur Congo, ça, je bouffe des dents. Alors. Beaucoup de courage aux Guinéens. C'est la Guinée, voilà. Nous sommes de cœur avec vous par rapport à cette situation que vous traversez de coup d'État et tout ça. Moi, j'ai vécu la guerre de Mobutu et Kabila quand les choses se passaient. Il y avait des tas, je vous jure, c'était compliqué. Il n'y avait pas école, il n'y avait plus rien. Il y avait, je vous jure, c'était atroce. J'étais petite, mais j'ai vécu ça, je vous jure. C'est horrible, traverser des moments de crise du genre dans un pays. Et puis, on a même failli avoir encore un coup de taille il n'y a pas très longtemps ici. Hein. Nous sommes en 2016, 2015 ou 2014. Bref, en tout cas, ça fait mal, ça fait flipper, ça fait peur.
on le souhaite à personne. J'espère que les dictateurs africains vont comprendre le message. Si dans tout le pays, ça se fait, dans tous les pays africains, ça commence à se faire de cette manière, ça ne sera pas intéressant. Faites des élections libres et transparentes. Mettez la population en sécurité. Vous vous faites déjà beaucoup d'argent, on ne surveille pas vos poches. Alors, s'il vous plaît, si vous faites 5 ans, 10 ans, partez avec paix, tranquillité et laissez que quelqu'un d'autre remplace. On a tous besoin d'une vie meilleure, en tout cas en Afrique, la Guinée, nous sommes de cœur avec vous. Je ne suis pas des infos, mais j'ai vu. Le gars là, c'est comme dans les films, hein. Et j'ai dit, ça c'est pas montage ça. Mais en tout cas, comme au stade de 2 secondes, façon le président là, il est clean sur les photos. On n'aurait pas dit que c'était coup d'état qu'on l'a ramené quelque part, hein. Il était calme et tranquille comme ça. Sur les photos même, j'ai l'impression que c'était un shooting. Sur une photo là, je vois le criminel avec, je sais pas moi, c'est cigare ou c'est fétiche. Il dit ce genre de personne, c'est le genre de personne qu'on voit dans les films, il te donne la tête, tu te mets, tu meurs. J'ai eu peur. Je flippe ma race. En tout cas, bref, courage aux Guinéens. Nous sommes de cœur avec vous, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.